Les délégations spéciales des communes de Boromo et de Bagassi ont fait plus ample connaissance avec le Fonds minier de développement local. Il faut dire que ces communes bénéficiaires de ce fonds minier éprouvent souvent des difficultés dans l'élaboration des projets structurants au profit de leur population. En tous les cas, les nouveaux acteurs à la tête des communes de Boromo et de Bagassi sont outillés sur le sujet, et cela à l'initiative de la société minière Rosgold. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Ils sont plus d'une quarantaine d'acteurs issus des délégations spéciales des communes de Bagassi et de Boromo, entre autres. Ici, à Boromo, ils prennent part à cette formation sur la gestion du fonds minier de développement local. On croit que c'est de l'argent jeté. Mais à l'heure actuelle, je suis imprégné. Et je vais former même ma population pour que, à l'issue de la fermeture de la mine, que la population puisse vivre. Notre présence à ces formations a été bien pour nous. Voilà, nous avons défendu la cause de la femme. Nous attendons à voir en tout cas la place de la femme dans tous ces projets structurants que nous avons initiés ici. Les compagnies minières contribuent à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires pour le Fonds minier de développement local. Cette formation de 2 jours est voulue par le premier responsable de la province et appuyée par la société minière Rosgold pour une bonne gestion de ces fonds. Des problèmes d'utilisation du fonds minier ont été toujours posés. J'ai estimé que peut-être c'est des compétences qui manquaient pour pouvoir mieux gérer ce fonds minier. Donc j'ai demandé à la mine Rosgold si elle pouvait accompagner la formation. Nous sommes tout à fait heureux de savoir que tous ces membres-là ont compris comment désormais choisir les meilleurs projets, comment désormais gérer ces fonds, parce qu'ils ont appris à travers la formatrice qu'ils seront comptables des gestions des sucres sélectifs à travers le Fonds minier de développement local. Donc une satisfaction pour Rosgold d'accompagner toujours les communes pour leur développement, d'accompagner la province, d'accompagner la région quand nous sommes interpellés. Nous sommes une compagnie citoyenne, c'est en cela que nous sommes toujours disposés à aider nos voisins. Créé en 2015, le Fonds minier de développement local vise à booster le développement socio-économique des zones minières pour de meilleures conditions de vie des populations après la fermeture de ces mines.